fun to look. The Flying Lion. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire de la NBA. Dans le vaste monde du sport, les livres d'histoire retiennent souvent les vainqueurs. Les héritages et les accomplissements gravent certains noms dans le marbre. Cependant, une autre catégorie d'athlètes marque parfois les esprits d'une toute autre manière. Des légendes qui, à défaut de décrocher le Graal, suscitent une foule d'émotions chez les fans. Joueurs sensations, équipes emblématiques et moments iconiques forgent nos souvenirs. Parmi eux, impossible de passer à côté des Clippers des années 2010. Le vilain petit canard de Los Angeles a campé les hautes sphères de tous les top 10 grâce à des actions plus spectaculaires les unes que les autres. Avec Chris Paul à la baguette et le tandem Blake Griffin-DeAndre Jordan pour conclure les alley-oops, Lob City a martelé les arceaux et humilié les défenseurs adverses. Alors, échauffez-vous et préparez votre plus belle détente, car on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Staples Center de Los Angeles, en ce 10 mars 2013 fatidique. Un certain Brandon Knight s'en souvient encore. Vous êtes prêts? Let's go! Au premier abord, une rencontre de saison régulière entre des Clippers sûrs de leur force et des Pistons en perdition n'a rien de très excitant. Avec 45 victoires en 65 matchs avant d'affronter Détroit, Los Angeles confirme son statut d'équipe qui monte. La rencontre débute d'ailleurs tambour battant pour les Californiens, qui creusent l'écart dès le premier quart-temps. Jusqu'ici, rien de bien enthousiasmant. Un match de régulière sous les radars, comme il en existe des centaines chaque saison. Pourtant, la portée historique de cette rencontre va radicalement changer lors du deuxième quart-temps. Une action aux apparences anodines va devenir l'emblème d'une équipe, d'un état d'esprit, d'une philosophie de jeu. À 4 minutes 38 de la mi-temps, Chris Paul remonte la balle, s'engouffre sur l'aile droite, puis aperçoit DeAndre Jordan, laissé seul par Charlie Villanueva en tête de raquette. Le pivot d'Eclipse accélère vers le panier. CP3 le voit et l'envoie au alley-oop. Brandon Knight est le seul piston à avoir tout vu et tente d'intercepter la passe. Mais face aux 2m11 de DeAndre Jordan, son pauvre 1m90 ne pèse pas bien lourd. Le numéro 6 attrape la balle dans les airs avant de la claquer avec virulence dans le panier. Un poster d'une violence inouïe. Sur le papier, malgré sa spectacularité, cette action n'est finalement qu'un dunk dans une rencontre de saison régulière sans grand enjeu. Mais la symbolique est bien plus puissante. Elle représente ce qu'étaient ces Clippers et leur impact sur les fans de basket. S'ils n'ont jamais été à la hauteur des espérances en termes de résultats, ces Clippers furent une des équipes les plus spectaculaires, appréciées et agréables à voir jouer. Un des meilleurs meneurs de tous les temps, deux freaks absolus dans la raquette et un sixième homme qui semble tout droit sorti de Rucker Park. La recette est simple. Le premier à poser ses bagages à Los Angeles, c'est DeAndre Jordan. Drafté au second tour par les Clippers en 2008, le pivot n'est pas vraiment attendu comme le Messi dans la Cité des Anges. Sa faible technique et son manque de footwork est décrié par les scouts, mais sa verticalité et son athlétisme impressionnent. With the first pick in the 2009 NBA draft, the Los Angeles Clippers select Blake Griffin. Un an plus tard, il est rejoint par un autre monstre athlétique, bien plus espéré. Un certain Blake Griffin. Choisi en première position de la draft 2009, l'ancien Sooner d'Oklahoma est un monstre athlétique, capable de dunker d'à peu près partout. Deux ans en NCAA ont suffi à faire de lui un des prospects les plus hype de la dernière décennie. Zion Williamson, 10 ans avant Zion. Malheureusement, ce dernier doit d'abord ronger son frein. Victime d'une fracture de fatigue au genou quelques jours avant sa première saison dans la Grande Ligue, il n'a d'autre choix que de la passer en costume. Les fourmis dans les jambes commencent à se faire insistantes.
alors que les Clippers cherchent désespérément un joueur sur qui bâtir de solides fondations. Lorsqu'il est autorisé à jouer lors de la reprise 2010-2011, l'ailier fort démontre qu'il est l'homme de la situation. Dès sa saison rookie, Blake Griffin explose les arceaux adverses, en contre-attaque, avec la faute et pourquoi pas par-dessus une voiture tant qu'on y est. Mais le poste 4 n'est pas qu'un simple dunker. En preuve, ses statistiques. 22 points, 12 rebonds, mais aussi 82 matchs joués. Les doutes liés à son physique se dissipent. Pour autant, les Clippers n'impressionnent pas collectivement. Avec seulement 32 victoires, la franchise californienne progresse, mais demeure loin de son objectif majeur. Concurrencer les tout-puissants Lakers. Le voisin Purple and Gold est en pleine hégémonie avec deux titres remportés lors des deux dernières saisons. Mais les Clips comptent bien renverser la hiérarchie dans la Cité des Anges. Pour ça, les Twin Towers réclament un métronome. Un joueur capable de gérer parfaitement le tempo d'une rencontre et de servir les deux monstres athlétiques dans les meilleures conditions. Bref, un meneur élite. Malheureusement pour eux, le joyau ultime Chris Paul est transféré chez l'ennemi de toujours, les Lakers. Encore un Big Three monumental chez les Angelinos, aux côtés de Kobe et Pau Gasol. À moins que David Stern et la NBA ne s'en mêlent. And Tim, how good a fit is this for the Clippers? Well, I think it's tremendous. I know that people are probably going to look at it and say, well, you know, they've got a serious surplus of point guards with Chauncey Billups in there and Mo Williams in there and now Chris Paul, but this is a different level guard right now. I think it's a great fit for the Clippers. I think you get Blake Griffin first, rookie year, most dynamic player coming into the league a long time, a year ago, and now you add Chris Paul to the mix. You know, very exciting time to be a Clippers fan. Après le transfert le plus étrange et controversé de l'histoire de la NBA, Chris Paul rejoint finalement les Clippers. La pièce manquante idéale pour faire de cette équipe un vrai contender. Informé par DeAndre Jordan de la nouvelle, Blake Griffin annonce directement la couleur. La première saison de ces Clips New Look est très encourageante. Avec Chris Paul à la baguette, les deux monstres de la raquette californienne se régalent. La franchise ultime de la loose devient la darling de toute la NBA. Des gros dunks, des alley-oops, des premières places de top 10 à gogo, le showtime change de camp dans la Cité des Anges. Cinquième, à l'issue d'une saison tronquée par le lockout, les Clippers passent difficilement le premier tour des playoffs avant de s'écrouler face à des Spurs au sommet de leur art. Williams. Il manque encore quelques ajustements à cette équipe pour réellement faire partie du gratin de la ligue. Moins de show, plus de fondamentaux. On ne peut pas vraiment dire que le front office se tourne vers cette solution. L'éternelle seconde de Los Angeles signe Jamal Crawford pour dynamiser son banc. Un combo guard aussi maigre que smooth, sorti tout droit des playgrounds de Seattle. Scoreur d'une élégance rare, Jay Crawford est surtout un as du handle. Un joueur qui manie le cuir comme on en voit un par décennie. Quel défenseur peut se targuer de ne pas avoir été humilié au moins une fois par son légendaire shake and bake? Outre son aspect esthétique, le jeu de Jamal Crawford comble certains manquements dans l'effectif californien. Les moments sans Chris Paul sur le terrain sont mieux gérés. Plus globalement, le contraste entre le 5 de départ et le banc semble moins prononcé. Los Angeles termine 4e du Wild Wild West en emportant tout de même 56 matchs, dont cette fameuse rencontre de mars 2013 face aux Pistons. Tout sourit enfin aux Clippers, qui semblent désormais faire partie du gratin de la NBA. This Clippers team, I'm telling you, right now, will win a championship, and I believe that will happen this year. Les observateurs en sont certains. Cette équipe aura une bague dans les 5 années à venir. Mais cette prédiction oublie un élément importantissime. La loose générationnelle qui colle à la peau de cette franchise. En 2013, alors que Los Angeles mène 2-0 face aux Grizzlies, Blake Griffin se blesse. 4 défaites et une élimination plus tard, les Clippers repartent à zéro. La saison suivante, Vinny Del Negro laisse sa place à un coach titré, Doc Rivers. La saison se passe sans accroc.
toujours aussi spectaculaire et efficace, cette équipe des Clippers est au coude à coude avec les deux derniers vice-champions, les Spurs et le Thunder. Du moins jusqu'au mois d'avril, où un des plus gros scandales de l'histoire de la NBA éclate au cœur de la franchise de Los Angeles. TMZ has posted an audio of a conversation between a man they say is Sterling making racist remarks to his girlfriend. Here is some of that purported conversation. Yeah, it bothers me a lot that you want to broadcast that you're associating with black people. I want you to love them privately in your whole life. Every day you can be with them. Every single day of your life. But they're not in public? But why publicize it on the Instagram and why bring it to my games? Why bring the black people to the games? Donald Sterling, propriétaire depuis 33 ans, est accusé de racisme. La presse dévoile des messages audio plus que compromettants du mania de l'immobilier. Ce dernier, lors d'une dispute avec sa maîtresse, lui reproche une photo postée sur les réseaux en compagnie de Magic Johnson, au motif que ce dernier est noir. Pas une première pour Sterling, qui défrayait déjà la chronique quelques années plus tôt pour les mêmes raisons. What was your reaction when you first heard that tape? When I first heard it, it just brought back memories of some of the things that were said, you know, by Dom. Did it surprise you? No, it didn't surprise me at all. No. Ce n'est pas Elgin Baylor qui vous dira le contraire. Face à la pression des joueurs, des instances et du président Barack Obama lui-même. I have confidence that the NBA commissioner Adam Silver, a good man, will address this. Donald Sterling est écarté. Effective immediately. I am banning Mr. Sterling for life from any association with the Clippers organization or the NBA. Contraint de vendre la franchise et banni à vie de la NBA. Pas la meilleure des préparations possibles pour les Clippers, qui s'inclinent en 6 rencontres face aux Thunder après un premier choke de Chris Paul. Débarrassés de leurs pommes pourries, les Clippers envisagent l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. C'est Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, qui récupère la franchise. Présent au premier rang à chaque rencontre, le multimilliardaire est à l'image de son équipe. Électrisant, passionné, survolté même. Sous sa houlette, la saison 2014-2015 s'annonce comme celle de la consécration. Une équipe bâtie pour le titre. Un coach déjà champion. Plus aucune distraction hors des parquets. Et un Staples Center qui vibre comme rarement il a vibré pour l'autre franchise de LA. Cette fois, les Clippers n'ont plus d'excuses. Dès le début de la saison régulière, Los Angeles repart sur des bases phénoménales en attaque. Les pick and roll, Chris Paul, Blake Griffin et Chris Paul, DeAndre Jordan fonctionnent à merveille. JJ Redick est aussi adroit qu'un archer. Tandis que Jamal Crawford continue ses tours de passe-passe en sortie de banc. Avec les Warriors de Steph Curry, Lob City semble être le favori à l'ouest. Troisième à l'issue de la saison régulière, les Clippers affrontent un adversaire de taille dès le premier tour. Les Spurs, champions en titre. Dans une série dingue, où les Clips sont menés 3-2, Chris Paul va sortir de sa boîte deux matchs exceptionnels, ponctués d'un game winner légendaire lors du Game 7 pour éliminer la bande à Pop. Une série censée lancer un run de champion. Malgré une excellente saison, les Rockets, prochain obstacle des Californiens, semblent encore trop faibles pour concurrencer ces Clippers à l'expérience et au talent plus prononcé. Menant rapidement 3-1 dans la série, Los Angeles se projette déjà vers de potentielles finales de conférence face aux Warriors. Grossière erreur. La franchise de la loose va confirmer les rumeurs de malédiction qui flottent au-dessus de sa tête. Si la défaite au Game 5 sur le parquet texan n'a rien de honteux, c'est bien le match 6 qui va définitivement faire basculer la série. À domicile, les Clippers sont sérieux et sûrs de leur force, trois quarts-temps durant. Puis, plus rien. Un trou d'air, comme rarement vu à ce stade de la compétition. L'avance de 19 points fond comme neige au soleil lors des 15 dernières minutes. L'attaque n'avance plus, la défense n'existe plus. 40 points encaissés contre seulement 15 inscrits lors du dernier acte.
un choke en bonne et due forme. Peut-être le plus gros de l'histoire des playoffs. Il reste un Game 7 à jouer, mais son issue ne semble plus faire l'ombre d'un doute. Mentalement, les Californiens ont lâché. La finale de conférence, qui semblait leur tendre les bras, ne restera qu'un rêve. Le titre, une utopie. Lob City ne se relèvera jamais de cette déconvenue. La saison suivante est marquée par un nouveau choke, dès le premier tour, face aux Blazers. Une énième élimination en Game 7 face aux Jazz en 2017 sonne le glas de cette époque spectaculaire des Clippers. DeAndre Jordan s'envole vers Dallas, 2 ans après une première signature avortée. Blake Griffin, le visage de la franchise, est envoyé aux Pistons en guise de punition. Chris Paul, lui, ira à Houston, où il atteindra finalement les finales de conférence aux côtés de James Harden. Des résultats collectifs extrêmement décevants, mais une impression visuelle indélébile. Lob City, c'est une version sérieuse et moderne des Harlem Globetrotters. Une franchise de l'ombre forcée d'employer les grands moyens pour attirer les lumières. L'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres, dit l'adage. Une maxime on ne peut plus représentative des Clippers version Lob City. Une attaque de feu aussi technique que puissante, aussi spectaculaire qu'efficace. Pour rien. Ou presque. Pas de titre, pas de finale de conférence même. Mais est-ce réellement important? Car Lob City lègue à l'histoire de la Grande Ligue des actions mémorables qui auront fait rêver tous les fans de basket tout autour du globe. Griffin to Jordan. That's great teamwork. Take two.